Coucou. Bon, vous êtes en droit de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle avait dit que c'était, elle faisait sa pause, c'était fini. C'est vrai. Mais ce matin, non, même hier soir, j'étais en train d'emballer les cadeaux. Et je me suis dit, c'est quand même dommage d'avoir fait tout ça, Vlogmas, pour s'arrêter comme ça. Donc, j'ai décidé de continuer cette aventure. Et puis, bon, on va passer cette journée ensemble. Hier, j'ai commencé à faire des paquets qui sont là. Ce matin, je vais aller chercher, de toute façon, on s'en fout, hein, le 24 s'est passé, le 25 au moment où vous voyez ça. Non, ça doit être le 25 que je poste. Chaque année, on a une petite tradition. Bon, d'habitude, on est le triple. Hein. Ma maman, elle fait, en plus de cadeaux, des petits cadeaux de table. Alors, ça peut être des ballotins de chocolat, ça peut être, je sais pas, moi, des petites crèmes pour les mains, ce genre de trucs. Donc, cette année, elle a continué. Et c'est moi qui fais son petit cadeau de table. Donc, il y a ça à faire. Il y a un autre petit cadeau. Je vais lui prendre un truc qu'on a repéré hier, enfin qu'il a repéré, il a dit oh, ça a l'air sympa et tout. C'est déjà pas mal parce qu'au niveau de la bouffe, ah si j'avais dit éventuellement un petit plat pour nous le 25. Bon je verrai ce qu'il y a mais j'ai pas trop envie non plus de rester trois plombes, ça doit être blindé. Évidemment ce n'est pas ma tenue du jour. Autre chose avec mon concours que j'ai organisé pour le 24 et le 25, la photo là. Cet après-midi il faut que je fasse la photo donc je vais mettre mon habit de Noël, enfin je vais mettre le pull de Noël, je vais faire une photo et puis je vais tout expliquer. Ça ce sont les petits paquets. Oh je suis très très fatiguée moi. Moi j'ai fait la fête cette nuit, j'ai fait toutes les poubelles, ça prend du temps et c'est beaucoup d'énergie. Et attention sur la route. Ouais, j'ai mis, attendez, ça veut pas focus, j'ai mis l'ombre à paupières MAC que j'ai eu dans la box. Allez vous voir. Non. Bon, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir vous montrer. Donc, la dernière fois, on est venu, puis pareil, elle est tombée sur un petit objet sympa. Donc, je vais lui prendre encore des tables. C'est ça. Il est beau, hein. Donc, ça va avec ça. C'est vrai que moi, je n'utilise pas de mode muscade, mais même l'objet en lui-même, il est mignon. Hein. Direction le Pierre. Il est quoi? Il doit être midi, moins un quart, un truc comme ça. Vous pouvez lui donner un petit paquet? Et ben, je suis contente, j'ai trouvé tout ce que je voulais sans rentrer dans Leclerc, qu'avec les boutiques autour. Donc c'est nickel et il n'est pas trop tard. Bon, bah écoutez, je suis rentrée, je parle pas trop fort, je sais pas s'il a son casque. Je sais même plus si vous avez vu. Voilà, donc pour Eric, c'est un petit robot, donc le petit robot Star Wars, qui est, on va dire, connecté. Enfin, qui est quand même grand, il y avait deux modèles. Et en fait, il interagit. Bon, déjà, si tu regardes des Star Wars, il fait sa petite vie. Il y a plein de choses. Il fait pas mal de trucs. Et je sais que hier, il restait un bon moment à le regarder. Donc ça, je vais l'emballer. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Ce n'est pas pour moi. Même si, je vais vous montrer, vous allez dire, ah ouais, ça aurait pu. Mais non, je vais l'offrir. Donc j'ai trouvé ça, j'allais dire, chez le boulanger. Pas du tout, chez le coiffeur. Il s'agit d'un coffret Kérastase. Hop, on ouvre. Et bah, c'est un rituel complet. Hein. Tu as le bain. Donc, elle m'a dit c'est très concentré, il faut en mettre très peu. Donc, le shampoing, le gros soin et le dermoprotecteur, en fait. C'est ce que tu viens mettre une fois que tu as lavé tes cheveux pour protéger des plaques, des séchages intensifs. Et le cadeau de table de ma maman. Mais ça, vous l'avez vu. J'ai pris encore une saucée pour changer. En même temps, ces derniers temps, il pleut tout le temps. Pendant que j'y suis, bah ouais, je peux vous montrer le reste des petits cadeaux qui ne sont pas emballés. Il en reste un qui n'est pas emballé. On va monter parce que c'est caché. On pose ça ici et après, j'oublie pas, calendrier de l'Avent du 24 de ma maman. Donc, c'est la marque By Charlot que j'ai vu plusieurs fois sur Instagram. Et tu as la petite étiquette là par exemple, c'est la coquette. Tu choisis ton pot, donc là j'ai pris Gold. Tout est emballé, envoyé. Tu choisis ta plante. Donc, j'ai pris un petit cactus comme ça. C'est un bel objet déco. Il y a plus petit, encore plus petit et plus gros. Voilà, donc je trouvais que c'était la dimension qui était plutôt pas mal. Le 24, elle a eu, donc c'était une bague, j'avais reçu 4 bijoux de la marque Who We Are, donc je lui ai offert la bague qui est réglable, qui est dorée. Elle est super jolie et ça lui a beaucoup plu. Voilà. Ouais, bah oui, il y a midi et demi, mais il fait déjà nuit. Ouais, non, j'allais oublier en plus, dans le coffret Kérastase, elle m'a donné une barrette, une petite barrette, j'ai pas bien vu. Donc, je vais lui offrir avec. Elle est dorée. Oh, elle est très belle. Je suis sûre que ça lui ira super bien. Pendant que je finis d'emballer, je vais me faire en même temps à manger. Ça, c'est bien pratique. Gâteau apéro, des olives, et on est bon. Parce qu'après, il faut que je me change et que je fasse la photo pour le concours de Noël, comme je vous ai dit. Il arrête pas de pleurer, c'est pénible. Bon, c'est Noël, donc je vais te redonner un petit peu des croquettes.
Bon, je me suis changée, j'ai essayé de faire cette photo, mais le problème c'est que comme mon téléphone ne marche plus très bien, retardataire, je vais être obligée de demander à Eric de m'aider à faire la photo. Et je sais qu'il a tort. Je vais prendre en photo à chaque fois, on s'engage. Voilà ma tenue. Au début, franchement, je voulais mettre ça ce soir. Très confort. Mais bon. Je vais lui demander. Je sais que tu vas pas être content, mais j'aurais besoin de toi pour faire une photo. Non, mais j'arrive pas toute seule parce que ça, avec le retardataire, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il te faut ? Me prendre en photo. T'as juste à prendre des petites photos, ok ? Je suis fatiguée avec tes photos. Ah bah, je vous avais dit. J'ai enlevé ça. Est-ce que je mets ça ? Quoi ? Non, je peux regarder. Mais bouge pas ! Vas-y, mais tu vas pas bouger. C'est ça, moi, la passion. Non, mais bouge pas parce que c'est pas un appareil photo pro, moi. Hein. Ne bouge pas. Vas-y, parce qu'il faut que. Non, parce que sinon, j'arrive pas à te repérer. Regarde-moi. Merci. Je vais plusieurs comme ça. Je me suis changée. Alors, pas pour le réveillon, mais on va aller voir au traiteur pour, je vous avais dit, un petit plat du midi demain, 25. Parce qu'à Leclerc, c'était trop blindé. Il y avait la queue, donc. Bon, c'est peut-être déjà fermé, hein, il est déjà 5h. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, on a plein de trucs. Bon, bah, le traiteur est déjà fermé. Bon, bah voilà, hein, c'est pas grave, c'était à prévoir. Par contre, il fait très froid. Et j'avais prévu de mettre la petite robe, vous savez, avec les pois. Je vais réfléchir à ça. Là, je me ferai bien 17h, une petite infusion. Ça, c'est pas mal, ça. Voilà, je suis prête. C'est quand même mieux que mon pull de Noël, même si, si avec moi, je l'aurais mis. Tellement confort, on va pas tarder. Cette fois-ci, on y va. J'ai mis ma cape avec les plumes. Bon, ça va pas. J'aurais préféré que ce soit pas avec des pois en dessous, mais bon, c'est mignon. Mais peut-être mettre un autre manteau en plus par-dessus. J'ai peur d'avoir froid. Voilà la tenue. Ça commence bien, on était déjà chez ma maman. Et bah, j'ai plus mes lunettes de vue. Donc j'ai tout fouillé. Ça s'éteint. Donc non, je comprends pas ce qui s'est passé. Voilà. J'ai dû les faire tomber soit en rentrant, soit mais enfin sans lunettes de vue, genre je peux rien faire moi. Qu'est-ce que j'ai foutu ? De cuisson pour les coquilles. On n'est pas prêt. Ah non, bah on n'a pas pris l'apéro. Je suis rentrée, donc ne pensez pas, ce sont mes vieilles lunettes qui sont pas du coup à ma vue parce qu'elles sont, bon, elles sont pas à ma vue, mais ça dépanne. Je ne les ai pas retrouvées, je suis mal, donc j'ai dû les perdre, je ne sais pas. C'est un peu les boules, mais c'est pas grave. Apéro. Ça, c'est petite assiette individuelle. Covid. C'est pas mal, chacun a son truc, c'est pour l'apéro. Ouais, c'est original. Alors, comment ouais, est-ce que je vous montre la table de Noël, donc avec l'espacement. Oui, elle a fait vraiment de façon à ce qu'on ne soit pas collé-collé. C'est super joli. Et chaque année, elle achète... Maman, comment ça s'appelle ? Moi, je commence ces fleurs. Ah, c'est des amaryllis qu'elle, bah, qu'elle va acheter. Et ça rend très bien. Eh ben, on va manger l'entrée. Donc, nous avons du saumon, foie gras pour ceux qui veulent, et des coquilles Saint-Jacques. Eric est en fou rire. Il est en FaceTime avec son frère. Oh non, mais c'est pas possible. Eric. C'est l'heure des cadeaux de table. Oui, bah, alors on s'assoit. Maman, je t'ai mis le tien ici. Oh. Et moi, j'ai pas de cadeau de table. Bon. Comment ça se fait? Ah, oh. Oh, oh, mais c'est des gros cadeaux de table, énorme, ça. Les cadeaux de table. C'est avec les noisettes et les... Oh là 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 là. A priori, c'est un Blu-ray. Maman, oh, superbe. C'est vrai, on l'a vu ensemble. Non. Ah. Oh là là, un truc à muscade. Un truc à muscade. Pas mal, non? Oui. Non, c'est quoi, j'adore. Il est beau, hein? La muscade. Mais là, il est en noir. Et, ouais. Et avec la chaleur aussi. Il devient rouge, mais tu comprendras pourquoi il est en noir quand tu auras vu le... le prochain Justice League sur HBO+. Comment on dit Justice League après 3 On le dit mal. Cadeau de table. Il m'a dit oh là là. Ça, oh, c'est chouette. Alors moi, c'est quoi collection gel douche. Et maman, super. Bon, bah c'est bien, je suis contente. Coquille Saint-Jacques. Attends, non, chacun se sert peut-être. On mangeait le plat. C'est un parmentier de canard fait maison, évidemment. Ça a l'air très bon avec de la salade. Et je n'ai toujours pas retrouvé mes lunettes, parce que j'avais espoir. Ça m'angoisse, mais j'ai pas envie d'y penser, parce que c'est Noël, on verra.